Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette seconde vidéo consacrée au jeu d'escarmouche Ronin. Abordons sans plus attendre la séquence d'un tour de jeu. Une partie de Ronin se déroule selon un certain nombre de tours, chaque tour représentant quelques secondes en temps réel. Un tour est composé de 5 phases. En 1, la phase d'initiative. En 2, la phase de mouvement. En 3, la phase des combats. En 4, la phase d'action. Et enfin en 5, la phase de fin. Généralement, les joueurs vont jouer de manière alternée, en commençant par le joueur qui a remporté l'initiative. Mais certaines phases d'action pourront être jouées simultanément. En 1, la phase d'initiative. C'est durant cette phase que l'on détermine quel joueur remporte l'initiative pour le tour. Le moral de chaque Buntai est également vérifié, surtout si ce dernier a subi des pertes lors du tour précédent ou si d'autres conditions se sont réalisées. En 2, la phase de mouvement. Durant cette phase, les joueurs vont avoir l'opportunité d'activer leurs figurines pour les déplacer ou pour utiliser leurs armes de tir. En 3, la phase des combats. C'est durant cette phase que tous les combats au corps à corps sont résolus. En 4, la phase d'action. Durant cette phase, les figurines vont avoir une seconde opportunité pour utiliser leurs armes de tir et pour réaliser certaines actions dites spéciales. En 5, la phase de fin. À la fin du tour, d'autres actions peuvent se réaliser et les conditions de victoire sont vérifiées.